Bienvenue dans le safari virtuel de Timon et Pumba. Les safaris, Timon, les safaris. Ah, c'est vrai, j'oubliais qu'il y en a deux. D'une part, la croisière en bateau. Grande aventure sauvage. D'autre part, l'excursion en jeep. Préparez-vous à affronter le danger. C'est un beau jour pour mourir. Qu'est-ce qui nous attend? Le naufrage ou le carnage, la croisière ou la galère, la balade ou... Attention! Ton piolet! C'est bon, on a notre équipement de safari et nos appareils photo. Alors en route! Tu as oublié que pour un facochère, c'est vraiment pas facile de cliquer avec des sabots! Ce n'est pas un facochère, c'est une personne. Et les personnes ont des pouces, des doigts et des orteils aussi. Ils ont plein de membres articulés avec lesquels ils peuvent cliquer. Allez-y, montrez-lui. Venez participer à un super safari dans la jungle. Le départ est imminent. Allez, laissez-vous tenter. Ce n'est pas une, mais deux aventures palpitantes qui vous attendent. La baignade ou la balade, c'est au choix. Bienvenue dans notre excursion nocturne en jeep. Cette fois-ci, nous allons mettre le paquet. La classe, les amis. Regardez cela. Le GPS. Le DVD. La valise de détresse. C'est pas la valise, Pumba, c'est la balise de détresse. Désolé. Bon, Pumba, les appareils photo sont prêts? On peut y aller. Admirez la vie sauvage et exotique de l'Afrique. Oh, regarde, un passage pour rhinocéros. Arrête la jeep. Cette lumière rouge, c'est nous, n'est-ce pas? Je crois bien que oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et vous, ça va? Rien de cassé? En réalité, j'ai un peu faim! Ah, tu as de la chance, il y a plein de restaurants dans le coin. À vous de choisir, je vous en prie. Du moment qu'il y a de quoi manger, ce sera parfait pour Pumba et moi. Celui de droite a l'air pas mal, hein? Alors, à droite ou à gauche? Je suis trop affamé pour réfléchir. Je commence à avoir un petit creux. Allons-y! Timon, regarde! Ils ont tout ce que j'aime!
Pour moi, ce sera un double burger à l'asticot, une portion de mille pattes. Oh, hey, je peux avoir de la sauce cafard? Et puis une fricassée de scarabée au naturel. Alors moi, je prendrais le ragoût de punaise aux sauterelles, mais sans termites, et des brochettes de charançon, le modèle géant, bien sûr, comme mon appétit. et comme dessert, une glace à la limace. Moi aussi. Quoi? Il dit que... Mais peut-être qu'il veut que nous allions nous servir. C'est fameux, on viendra. Oh, c'est délicieux, hein. Est-ce que ça t'embête si je goûte à tes scarabées? Non, je t'en prie. Miam, je me régale. Miam, miam! J'adore les fast-foods! Ça a l'air appétissant! Que de mangoustes en sauce, museau de facochère en gelée! Pâté de mangoustes en croûte? Ah! C'est nous sur le menu! Bonjour! Alors vous êtes tenté par notre rôti de facochère? Pumba, fais-nous sortir d'ici! À table! C'est de la technologie humaine. Vous allez adorer. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est mon estomac. T'es sûr? C'est vraiment fort, même pour toi. Shopkeeper! Cours vite! Cours! Cours! A échappé de justesse. C'était vraiment moi une. Et Timon, tu savais que ces furies sont également nommées des gnous? Oh, que merci du gueux renseignement. On a failli se faire écrabouiller. Bon, ici c'est un endroit tranquille. Alors quelle direction? Les grottes ou la montagne? Il fait vraiment sombre ici. Allez, avance, avance. Je suis mort de trouille. Heureusement que j'ai mon doudou. Je me sens beaucoup mieux avec mon doudou. Ça, c'est ma queue, idiot. Désolé. Regarde, des lucioles. Là, c'est bizarre, elles sont toutes par paires. Ah, chauve-souris ! Empêche-les de se mettre dans la fourrure. Le cimetière des éléphants! Venez voir! L'entrée et le plan de résistance! Oh oh! Des hyènes! Sauvons-nous de là! Et on va où? Ailleurs! On dirait que vous êtes arrivé au terme de votre voyage. Qu'est-ce qu'on fait? Devant? Derrière? À droite? À gauche? Il n'y a plus de flèches sur l'écran! Génial! C'est tout droit! Fonce, Pumba! Fonce! À droite! Non! À gauche! Non! Pas de là! Là-bas! L'autre gauche! Attends! Tourne! Tourne! Ah, attends! 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 Attention! Ah, je pensais que c'était toi qui conduisais! Bien sûr que c'est moi! Ok, c'est fini. C'est fini. Oh, c'est maintenant qu'elles arrivent, ces flèches. Jamais là quand on en a besoin. Mais elles étaient peut-être perdues. Alors à votre avis, on monte ou on descend, hein? Monter, descendre, quelle importance! Tout ce qu'on veut, c'est s'en sortir! Désolé,
mais vous êtes sur une route à péage. Et aujourd'hui, la monnaie, c'est vous. Pumba, je crois qu'elle veut nous garder à dîner. Doucement. Attention. À droite. Non, à gauche. Non, l'autre gauche. Et au fait, à gauche, c'est de quel côté? Je brûle, j'ai la queue en feu. J'en ai l'eau à la bouche. Revenez quand vous voulez. Pour le dîner. Oh, mes bras. Oh, ma tête. Oh, mes yeux. J'ai l'impression que mes défenses vont tomber. Je vais devoir aller chez le dentiste. Oh, oui. Fin de la promenade. Merci d'être venu. Avant de partir, vérifiez que vous n'avez rien oublié. La sortie est à droite. Nous espérons vous revoir bientôt. Timon, c'est tout ce que tu trouves à dire après tout ce qu'on a vécu? Quoi? Ça n'était qu'une promenade de santé. Une promenade? Ben oui, qu'est-ce que tu croyais? Je savais bien que c'était une promenade. Ça vous dirait de recommencer? Attendez, on va d'abord admirer les photos qu'on a prises. Oh, oui. Bonjour à tous et bienvenue à bord pour notre croisière nocturne. Je m'appelle Timon et je suis le capitaine de ce rafiot tout rouillé qui prend l'eau. Bon, c'est le moment de dire adieu à vos proches car vous risquez de ne jamais les revoir. Bien sûr, s'ils sont comme ma famille, c'est peut-être mieux. Non, je plaisante, maman. Bien, faites attention à ne rien laisser dépasser du bateau. Ni les bras, ni les jambes, ni les défenses, ni la queue. Pumba, ton appareil photo est chargé? Tout est prêt, Timon! Oh, une luciole de Bobson. Elles sont très rares. Et maintenant, elles sont en voie d'extinction. Mais c'est délicieux! À votre droite, un troupeau d'hippopotames. Ces gros bébés peuvent peser autant que 30 facochères réunies. C'est vrai qu'ils sont énormes! Sauf vous, madame. Ils ont l'air affamés. Mieux vaut les contourner. Alors, quel côté? À droite ou à gauche? Dépêchez-vous de choisir, il me regarde d'un sale œil! Tout le monde te regarde bizarrement, Pumba. Mais dépêchez-vous, prenez une décision! Ils agitent leurs oreilles! À votre droite, un rocher. Ouh, tu parles d'une attraction, un gros caillou. Hé, Timon, je crois que c'est le rocher des lions, la résidence du roi, le cœur, l'âme symbolique de la savane. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Hé, Timon, il n'y aurait pas des serpents dans cette rivière? Des serpents? Mais les serpents ne savent pas nager. Oui, mais ils savent grimper. Éloigne-toi de lui! Vite, vite! Mais comment que tu sais que c'est un lui? Pas question qu'on s'approche pour en savoir plus!
Qu'en pensez-vous? À droite ou à gauche? À gauche! À gauche! Laisse-les choisir ce qu'ils veulent! Oui, mais prenez à gauche quand même! Et pourquoi? J'ai un bon pressentiment! Nous descendons le cours du fleuve. Remarquez le brusque changement de météo, très caractéristique de la région. Ah, un peu de pluie, c'est très rafraîchissant! Oh, j'adore l'odeur du pumba mouillé le soir au fond des bois. Ça sent le... Pumba, ne me dis pas que tu as peur d'un petit éclair de rien du tout. Maman ! Dis, capitaine, pourquoi t'as sauté du bateau ? Je voulais montrer à nos passagers que ces eaux sont absolument sans danger. C'est tout. Hé, Timon, il n'y aurait pas des serpents dans cette rivière ? Des serpents ? Mais les serpents ne savent pas nager. Oui, mais ils savent grimper ! Vite, éloigne-toi de lui ! Vite, vite, vite ! Mais comment que tu sais que c'est un lui ? Pas question qu'on s'approche pour en savoir plus ! Qu'en pensez-vous ? À droite ou à gauche ? À gauche ! À gauche ! Laisse-les choisir ce qu'ils veulent ! Oui, mais prenez à gauche quand même ! Et pourquoi ? J'ai un bon pressentiment ! Bravo, Pumba. Désolé. Désolé, tu parles, hein? On est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut profiter du calme de l'eau qui... Qui coule autour de nous parce qu'on est coincé, prisonnier, bloqué, englué. On n'avance plus. Secoue le bateau, balance-toi d'avant en arrière et fais contrepoids pour nous dégager. Bon, d'accord. Bon, on en est où maintenant? Ah oui, si vous regardez droit devant vous, vous pouvez voir la forêt paisible et sereine. Allez, ouste! Ouste! Stop! Prétentieux. Timon, il y a encore des hippopotames! Hakuna Matata, Pumba, pas de soucis, tant qu'ils n'agitent pas leurs oreilles. Ah, et voilà, le facochère est encore trempé. Merci beaucoup. Bon, on en est où maintenant? Ah oui, si vous regardez droit devant vous, vous pouvez voir la forêt paisible et sereine. Allez, ouste! Ouste! Stop! Prétentieux. Ah, enfin un peu de tranquillité. Tout est calme. Pas un bruit. Même pas le bruit du moteur. Dis Pumba, on est en panne. T'inquiète pas, Timon, j'assure. Dépêche-toi, ces eaux sont infestées d'alligators. Ne sois pas stupide. Les alligators vivent dans les marécages d'Amérique du Nord. Ils seraient bien trop loin de chez eux. Ah, des crocodiles! On l'a échappé belle. Oh, j'ai les poumons en feu. Et moi, je me sens ballonné. Non, Pumba, non. Bah, dites-moi que ce sont les effluves du marécage. Bon, les amis, on se décide vite, hein. Droite ou gauche? On dirait qu'à droite, c'est bien aéré. Ça a l'air aussi sympa à gauche. T'as peut-être raison, Pumba. C'est un bel endroit. Écoutez-moi tous, vous avez sans doute remarqué que nous tournons en rond. Attends, Pumba, fais demi-tour. Vous là, ne restez pas les bras croisés. Dites à Pumba de faire demi-tour. Demi-tour!
peux pas, c'est un vrai tourniquet. Intervenant, au secours. J'ai mal au cœur. J'étouffe. De l'air. Ça, c'est la bonne direction. Faites confiance au capitaine. Remarquez, c'est agréable et paisible. Brouillard. Je me demande ce que c'est que ce bruit. Eh bien, on dirait le bruit de l'eau. De l'eau très bruyante, même. C'est une cascade. Désolé, le capitaine s'est trompé. Merci à tous d'être venus. La sortie s'effectue par la droite. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. C'est moi qui serai le capitaine la prochaine fois et je choisirai un autre itinéraire. Vous allez affûter vos petits doigts pour choisir votre prochaine aventure. Mais d'abord, on va admirer les photos du voyage.